إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله تغادية إلوش والله رب العالمين C'est lui qui, dans ce livre, le Coran, qui met nous en garde contre toute chose qui fait nous du tout, contre toute chose qui est dans du mal pour nous là-dedans. Et il fait guide-nous vers le droit chemin. Et comme on dit dans ce livre, le Coran, إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. Certainement, ce Coran le guide vers ce qui est droit. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Ce livre-là, pas il y a la moindre doute dedans, et c'est un guide, une guidance pour ban qui est en taqwa pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un parmi man mise en garde, un parmi man avertissement dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait avertir nous contre sa l'ennemi qu'appelle Shaitan. Sa l'ennemi qu'appelle Shaitan. Il dit à nous dans Surah 35, Inna al-Shaytan lakum adou.
Certainement, Shaitan est l'ennemi pour eux. Fattakhidouhu adouwa. Et prends-les comme vous êtes l'ennemi. C'est-à-dire, n'a pas prends-les comme vous êtes allié, n'a pas prends-les comme vous êtes camarade. Prends-les comme vous êtes l'ennemi. Fattakhidouhu adouwa. Prends-les comme vous êtes l'ennemi. Qui fait à mon frère et mon sekina iman? Qui fait à nous viser prendre Shaitan comme nous l'ennemi? Parce que c'est un lot depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Il suffit. Alors, il est venu depuis Allah, prend-il comme l'ennemi. Pareil, comme il dit, nous prenons Yahoud et Nasara comme nous prenons l'ennemi, un point c'est tout. Nous ne pas supposer que ça, c'est ça, derrière ça. Mais quand Allah, subhanahu wa ta'ala, lui aussi dit, nous kiffer à visa pour lui comme l'ennemi, ça montre qu'il a fait là, il s'y a dit, nous pas capables de badiner avec lui. Nous pas capables, une fois nous prenons comme l'ennemi, une fois nous prenons comme nos camarades intimes. Allah, subhanahu wa ta'ala, lui vient nous connaître qui raison. Qui fait les fins de nous prendre comme l'ennemi, quand on arrive, ce qui vient arriver entre lui et Adam, salam, entre Shaitan et Adam. Et ce qui vient arriver dans le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, il relate nous qui Shaitan dit à lui. Il dit Allah Rabbul Alamin. Il adresse Allah, il dit Qala, Fabima agwaitani la akrudanna lahum siraqaka al-mustaqim. Ora, à cause de ça, créature qui appelle Adam, et ce madame, à cause ça, ban l'atun également aujourd'hui. À cause de la devine dégradement aujourd'hui, alors je me promets toi, je vois le droit chez mes patan manna. Shaitan, il promet Allah, voici le droit chez mes patan nous. Alors là, vous serez dans le mustaqim, le droit chez mes. Quand on vit une masjid, même qu'il y ait un soi avec vous. Quand on vit faire bon travail, même qu'il y ait mettre doute dans la tête, dans l'esprit, ensuite il dit Thumma la atiyannahum. Get ça l'attaque là, mon frère. L'Iban l'attaque, comment dire, quand on a posé public, ici, l'Iban le posé, les casse une pause. Non. L'Iban l'attaque, comment dire, quand on arrive à soi, il y a le domine tranquille. Non. Ensuite, il dit, Thumma la atiyannahum. Ensuite, mon bouvine avec Banla. La atiyannahum. Avec l'emphase. Mon bouvine avec Banla. Min bayni aidihim. Depuis par devant. Depuis par devant, mon patak Banla. Wa min khalfihim. Depuis par derrière, mon patak Banla. Wa an aimanihim. Et depuis le côté droit, mon patak banna, wa an shama ilihim. Et depuis le côté gauche, c'est-à-dire depuis toute direction, les bouvines. Les bannes l'attaquent, comment dire, face à face. Les bannes l'indir, les bannes vent, les dans le côté droit, les dans le côté gauche. Donc, mon visage, je suis à mon gant, moi. Parce que c'est une attaque, mon patron, dans quelle direction, les bouvines. Ça, promesse-là, les vins faire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait ensuite, il dit, wa la tajidu aktharuhum jakirin. Afin. Qui ne doit pas trouver majorité parmi les bannes là, parmi les bannes qui reconnaissent. Ça, c'est l'objectif des Shaitan. À cause de ça, qu'Allah vient de nous prendre comme nous l'ennemi, ou pas connaître dans quelle façon il peut attaquer, ou pas connaître qui moyen il peut servir pour attaquer. Alors, il vient dans toutes directions. Donc, il y a une persévérance. Il y a une patience pour attaquer dans toutes directions, dans tous les airs, dans toutes façons, dans tous jours, toute la nuit, toute la journée, sans exception. Et qu'est-ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Comment il décrit l'attaque Shaitan? Il dit, Shaitan vient dire à Allah, serment l'autolonir et ton majesté. Il serment l'Allah Rabbul Alamin. Il dit, serment l'autolonir, mais pour continuer à induire ton esclave dans les gamins, aussi longtemps qu'il prenne un roux dans l'écho, aussi longtemps ça l'écho là, il continue un roux, mais pour continuer à attaquer maintenant. Ça, c'est l'attaque Shaitan. Elle l'attaque perpétuelle. Elle l'attaque continuelle. Aussi longtemps qu'il y a la vie. Il n'est pas pour guetter. Si pas on gagne tumeur, on gagne cancer, ou soit on peut mourir avec heart attack, il n'est pas pour pas ce problème. Ça. Aussi longtemps qu'il y a la vie là encore dans l'ego, il peut attaquer pour ma frère et ma soeur. Pour induire ou dans les rires. Pour induire ou dans les rires. Et elle parmi ceux de l'attaque. Si on a envie de dénombrer l'attaque Shaitan, il y en a trop beaucoup. Un parmi ceux qui l'attaque. Et il choisit ça spécifiquement parce qu'il connaît nous négligents concernant ça. Nous négligeons, quand vous mentionnez l'attaque là, votre frère et ma soeur, ou assister, vous faites une réflexion. Ou vous trouvez qui quantité nous loin avec sa petite chose. Un parmi ceux qui l'attaque, votre frère et ma soeur, qui est un imam, c'est faire insan reste loin avec ce qui appelle Zikrullah. Faire insan reste loin avec ce qui appelle Zikrullah. Vous donnez un exemple. Qui position ta correct c'est un ça c'est mon dialogue aujourd'hui et mon récit pena alhamdulillah pena salam alaikum comme tu m'as dit oui tu as dit pena salam alaikum salam pena vraiment
Ça, c'est la réalité, ça, dans la vraie matière. Shaitan, il réussit dans son objectif. Il réussit dans son objectif. Garde-nous loin des vitres Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous dans surah 58. Istahwadha alayhim shaitan. Shaitan akaparou. Depuis droite, gauche, divan, derrière, mal fini. Ça veut dire istahwadha alayhim shaitan. Il y a akaparou, il y a takou de toutes directions. Fa ansahum vitres Allah. Il fait un haut oublié, Vikrullah. Combien de monde, comment il va t'a pas mal faim? Faim de nous! Comment mettre manger des mollis? Ah, trop, lui, il faut un gros mot et tout. Il va dire ni bismillah, ni alhamdulillah, il a dit à t'amani ha wa ta'am, wa razakmani him, il va dire haoul min un pays, il n'a pas existé, va le faire. Il y a une faute toilette, il n'est pas capable de tini, il ouvre la porte, il n'a pas dit pareil, il est enfermé la porte. Il y a 6 ans. Il est oublié, Vikrullah. Chaitan a tapé. Ça, c'est promesse qu'il vient faire. فومس كي شيطان بفعل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله لفعوا بلي ذكر الله أنسيت الله جاء أولئك حزب الشيطان أبين قومي لكيب شيطان كان الله بجاء نبغاني كم نلمي كان أبلي ذكر الله أبلي لأبانسي الله سبحانه وتعالى أبين دا لكيب شيطان أبين دا لكيب شيطان على إن حزب الشيطان هم الخاسرون إسكي سيبا حزب الشيطان سيبا لكي من بيلا Il y a frère, ma soeur. Alors, nous ne connaissons pas les attaquer. Droite, gauche, devant, derrière, en bas, là-haut, dans toutes directions. Et un parmi les attaques plus facile, il fait honnête, plus lié avec le droit. Ou pas les faire chier, ou pas les faire coffre, ou n'a pas les adorer, il fait oublier avec le droit. Et un jour, il fait oublier avec le droit. Si on oublie la pensée d'Allah, c'est là où on peut penser. Qui s'en a sauté, qui vous fait, elle aime, qui vous fait avec l'insan, travail, dunya, ou zindagi finit dans sa façon-là. Alors, Shaitan, il connaît comment l'attaquer. Il connaît dans quelle façon pour attaquer. Istahwadha alayhim ou Shaitan, fa ansahum dhikrallah. Comme on dit, ah oui, il a dit, vous ne mangez pas, il a dit, bismillah. Il a dit, vous ne comment les téléphoner, allô? Ça, vous n'avez pas répondu, ça. Si vraiment, moi, Ashik Rasoul, mon téléphone, où? Allô? Qui m'a dit, ça? Vous n'avez pas répondu, moi. Il ne va pas répondre. Man bada bil kalam, qabla salam, fa la tujibou. C'est lui qui ne commence à causer sans faire salam, n'a pas répondu et n'a pas donné prière ni chose pour rendre côté. Zodi, si vous faites avec ça, il m'a élevé, ça va bien. Il vient à manier. Ça, c'est nous, façon, nous le résumons, ma frère, ma soeur. Ça, c'est l'attaque shaitan. Il veut oublier Zikrullah. Alors, celui qui reste loin des Zikrullah, Allah attasse un shaitan avec lui. Parce que, ban qui pas faire Zikrullah, c'est pas ban ami d'Allah, c'est ban ami de Satan. C'est ban ami. Dis ça dans Allah subhanahu wa ta'ala, dit dans surah 43. وَمَنْ يَعْشُ أَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدُ لَهُ شَيْطَانًا C'est lui qui reste loin des dhikrullah, nous attasse un shaitan avec lui, فَهُوَ لَهُ قَرِينَ Livine un ami inséparable. Livine un ami inséparable. Quand il dit à Allah, il promet lui, qu'il m'a pas attaqué là depuis bord des bords, bord derrière, droite, gauche, dans toutes directions, mais il est bizarre. Il peut dire sa façon là. Et un pomme, une façon d'attaquer, une manière, il fait oublier avec l'Allah. Et il vient aux amis inséparables. فَهُوَ لَهُمْ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ Et son objectif, c'est quoi? D'arriver ou égarer depuis chemin Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors ça, c'est un pomme, une attaque, shaitan, une frère, une soeur, faire oublier avec l'Allah. Faire oublier avec l'Allah, parce que qui fait? Qui fait shaitan, il fait oublier avec l'Allah. Pareil quand on est malade et la foi, madame, le cas de nous, c'est un antibiotique à ce moment-là. Femme capable, obligé de prendre antibiotique, obligé de prendre antibiotique, un parmi les anti-Satan, c'est Zikrullah. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable à cause de ça qui dans le Coran, dans le dernier chapitre, dans le surah numéro 114, Allah fin kalifelikam al-khannas. Al-waswas, al-khannas. Al-waswas, celui qui whispère en haut. C'est lui qui fait waswasa dans l'esprit et al-khannas quand on fait dhikrullah l'ibharou. Les sauver, ça veut dire khannas. Ça veut dire al-khannas. Shaitan, c'est lui quand il a dhikrullah l'a sauvé, il n'a pas qu'à résister. À cause ça, il fait oublier dhikrullah parce qu'il est bizarrement intérieur dans la vie. Dans la vie intime, comment allez-vous venir? Dans le manger, dans le boire, dans l'habillement, dans le travail, dans toute action qu'il vous fait. Si pas il a dhikrullah, on n'a pas fini de commencer avec bismillah. Il est intérieur. Zis quand même dans l'intimité avec vous, madame. Si un dimon approche sur madame, comment le sourd va dire? Et il n'est pas fait de il n'est pas fait avec l'Allah. C'est Shaitan qui profite avant. Faites très attention, ma frère, ma soeur. Avant nous blâmer X, Y, Z, un parmi les façons de nous toucher pas la maladie satanique.
Un point de même façon, Shaitan gagne possession de nous les cours. C'est qu'on oublie, Zikrullah, comment vous venez avec détail, ma frère, ma soeur. Alors, Zikrullah, c'est un moyen créé pour nous protéger contre Shaitan. À cause de ça, qui m'a fait, et ma soeur, il fait nous oublier Zikrullah, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, le prophète, le prophète, Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit à prophète Yahya, alayhi salam. Parmi mes conseils qu'Allah te donne Yahya, pour donner à nous Israël, c'est ça. Il dit à M.O.P.O. de nous, pour penser à Allah. Yahya alayhi salam, il veut dire à Banu Israël, M.O.P.O. de nous, pour faire dire pour Allah. Pour penser à Allah subhanahu wa ta'ala, certainement, l'exemple de celui qui pense à Allah, l'exemple de celui qui fait dire pour Allah, il est comme si un démon qui l'ennemi fait sortir pour attaquer. L'ennemi vient sortir derrière lui pour attaquer avec toute vitesse. Et alors, ce qu'il vient faire, ça du monde là, il vient venir jusqu'à un faux très solide. Un faux solide. Ensuite, il vient rentrer là-dedans pour protéger lui-même contre Banla. Il dit comme ça même, un serviteur n'a pas protégé lui contre Shaitan, lui-même contre Shaitan, excepté à travers Zikrullah. Excepté à travers Zikrullah. Soit Bismillah, soit un abadrique spécifique qui vient nous lire. Dans un moment spécifique, dans une place spécifique, où Shaitan ne peut pas aller dessus l'eau. Parce que son objectif, c'est égard où. Son objectif, c'est où? Faire où prendre l'enfer. Son objectif, c'est faire où n'a pas prendre le paradis parce qu'Allah fait égard. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait égard. Alors, est-ce qu'il y a un musulman qui est capable de la guerre contre Shaitan? Définitivement, oui. Définitivement, oui, mon frère, mon sœur. Si nous croyons que Shaitan est plus fort que nous, il finit faire victoire nous. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala dit inna kayda shaytan kana da'ifa. Certainement, ruse, complot, plan des shaytans, faible. Ce van plan, ce van ruse, ce van complot, faible. Mais quand il vient faux, quand moi, je vais faible. Quand il vient faux, quand moi, je vais faible. Quand il vient des dessus le moi, quand moi, je laisse la peau trouver. Tout la fenêtre, tout la peau, tout l'imposte, tout portail, tout rideau avancé. Il rentre et attaque comme il a envie. Bon frère, il a dit Inna kayda shaytan kana da'ifa. N'a pas oublié ça, il y a le Coran. S'il fait, bon frère, il va dire. Mais c'est-à-dire, mon cas attaque-lui. Mon cas pas attaque-lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit un musulman, il amaigrit ce shaytan. Il amaigrit bon shaytan. Attends, avec quoi? À travers l'obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à travers l'Iqlullah, comme a dit mentionné la Mousna, l'imam Ahmad, il dit certainement, le mu'min amaigrit à ce man shaitan, pareil comme un kiken parmi eux amaigrit à ce chameau d'un voyage. Et quand vous voyagez dans les animaux, chameau, avec voyage, distance voyage, il affaiblit, il amaigrit, comme ça même, ou amaigrit le shaitan. Comme ça même, ou amaigrit le shaitan, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans certains hadiths qu'il fait nous connaître, jusqu'à même les mêmes petits modèles mousses. Jusqu'à même, les vignes petites comme un mousse et la fois nous gonfler, nous faire les grandir la case. Dans nos données, nous boutiers qui visent. Dans nos données, nous facilité qui visent. Nous ouvrons la porte qui visent. Mais quand nous ferons tout la porte, sans nous néglige un seul la porte, il y a maigrir les vignes jusqu'à, comme dire, un mousse, mon frère et ma soeur. Et une fois, des chaitans, une zone, comme a rapporté par Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Des chaitans, une zone. Un là, il est bien solide, il est bien gros, il est bien gras. Elle là, il est bien fragile, il est bien malpropre, il se serait siphonné, se laisse déchirer, etc., etc. Alors, ce qui est gros là, ce qui est bien pour autant là, il dit, ce qui est faible là, qui fait tout dans cet état là. Qui fait tout dans cet état là. Il dit, Maurice avec un démon, écoutez, mon frère. Maurice avec un démon, qui ne paye aucune petite chose qu'il fait là, excepté qu'il y prend nom à la loi. On n'a pas gagné ni manger, ni manger, il dit Bismillah. Il boit, il dit Bismillah. Il prend, il donne, il dit Bismillah. Il ouvre, il ferme, il dit Bismillah. Il met l'aise, il dit Bismillah. Il tient l'aise, il dit Bismillah. Tout ce qu'il fait, il dit Bismillah. The power of Bismillah. Le gars dit, ah bon? Il dit, moi, je vais avec un démon qui s'amène mon temps, il dit ça va nous faire. Moi, je vais pour manger, moi, je vais pour boire, moi, je vais pour habiller, moi, je vais pour faire ce qu'il m'a envie avec lui. Ça, c'est la force de Bismillah. Ça, c'est la force des Zikrullah, mon frère et ma soeur. Alors, dit Allah subhanahu wa ta'ala, il finance en nous plusieurs moyens, plusieurs façons, mon frère et ma soeur, plusieurs efforts qu'un musulman y fait pour Shaitan reste loin de son avis. Pour Shaitan reste loin de son avis. Nous pouvons maximum qui est capable. Nous pouvons maximum qui est capable, mon frère et ma soeur, l'imouan. Combien de fois, et la fois, on fait ibadat Allah. Shaitan t'a dit à Allah, tu connais Allah? Vous pouvez venir dans le parlement, vous pouvez venir parler hier. L'eau droite, l'eau gauche, l'eau
qui chemin donc c'est l'autre mustaqim quand on le fait l'ibadat même la même qu'il y voit d'accord alors on vient dans l'ibadat Allah avec un état d'esprit bien solide on vient préparer pour capable combattre Shaitan dans le fait assisez le Coran libin attaque lire Coran oui assisez le Coran libin attaque dans le fait avancer libin ou faire ou lire comment dire que prend fourcette pétable dans un plat. Vous pouvez dire, si son, vous pouvez comprendre. Ça, c'est un attaque Shaitan. Oui, c'est un attaque Shaitan. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour Shaitan, n'a pas déconcentré nous dans la voie du Coran, il a fait, il a qara'at le Coran, fasta'id billahi min al-shaytan al-rajim. Quand tu fais la lecture du Coran, c'est protection Allah contre Shaitan, le maudit. Jusqu'à la voie du Coran, oui, nous ne sommes pas sous sa drôle, mais ce qu'on traîne ici, dans sa façon-là, qu'on travaille signé avec Allah, pas des vents, pas des yeux, dans droite, dans gauche, dans toutes directions, jusqu'à une alarme dans son écho, il y a Allah ou pas d'appui. Et qui côté? Le chemin droit. Ça dit moun qui dans taverne, ça dit moun qui dans casino, ça dit moun qui, comme on dit, dans son dévance, fait faire everything, c'est pas qui il veut faire. Il va aller sur le tracas. Une fois, il y a un tracas pour pratiquer dans la langue, il y a un tracas. Ça c'est une promesse qu'il vient faire. Tant pour dans les gars, qui tracas il vient gagner? Une fois que vous mettez un série, là qu'il y a un outraga. Là que vous avez une plus solide dans le frère, ma soeur. Alors, ça, dit moi, ni moi, dans le frère, ma soeur. Fais avec l'Allah quand on parle de ma manha, il y a un mystère. Maintenant, vous comprenez. Dans un moment d'intime, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit si quelqu'un, parmi eux, puis après ce madame, qui dit Jannibni shaytan, wa jannibi shaytan ma razaqatani, fa in kana baynahuma walad. لم يدره الشيطان ولم يسلط عليه. الشيطان يقول سو مدام دي سا دوالا او الله بروتيز نو كونت شيطان اي بروتيز سا زانفان لا كونت شيطان الله سبحانه وتعالى رسول يا سي الله ان ديكريتي ا ترافي سا كونتاك لا اي ان زانفان الله بروتيز سا زانفان لا كونت شيطان جانا مو سا بار اكسترا موفيسا اكسترا موفيسا في غوا بولي ما نورا ما دير ريتون دان لو باسي. Retourne dans le passé quand on t'y décide pour aider ses enfants là. Peut-être que tu oublies faire vivre Allah. Un des bonnes raisons pour les enfants qui sont mauvais, qui sont désobéissants, c'est ça, mon frère et ma soeur. Parmi mon frère et ma soeur, faire vivre Allah. Quand nous rentrons dans la case, nous fermons la porte en disant Bismillah. Quand nous rentrons dans la case, lire droit qui vient, faire salam, lire droit qui vient, faire vivre qui vient, et dire Bismillah, ferme la porte. Mais pas de cadenas, pas de problème. Même pas de verrou, il est appelé un tout, deux, ou trois, tous, aujourd'hui, dans mon quoi, quatre, cinq, tout, pas, fait pas de problème. Vous n'avez qu'à inventer, mais ça, c'est à la propreté. Mais plus important, chez une pente, pas pour qu'on ouvre ça à la propreté. Une fois qu'il m'a dit, Bismillah, mon frère, mais Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, quand une personne rentre dans la case, et il fait zikrullah, au moment qu'il est rentré, et au moment qu'il est mangé, chez une pente, dit, avant les autres qui attendent des hauts. Et ben qui peut attendre de haut. Et ici, il peut attendre de haut. Tu vois, la peau qui attend tous les jours comme ça. Il dit à Ben là, et ben qui peut attendre de haut, pas une place pour se passer la nuit, et pas une dîner pour se ici. Mais s'il rentre dans sa case, sans penser à Allah, au moment qu'il est rentré, j'ai entendu dire, je te finis une place pour passer la nuit. Et s'il pas pense à Allah au moment qu'il est mangé, j'ai entendu dire, je te finis une place pour rester aujourd'hui. Et je finis de manger aussi, je finis de nourriture pour manger, alors se rentrer. Ben fait, ma soeur, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ferme la porte et prends-nous Allah. Ferme la porte, la porte, la case, et c'est quand même la porte de la mort. La porte de sa place que tu vas casser là-ci. Ferme. Dieu, bismillah, ferme. Comme mes frères, ils relatent à moi, cher, capable de témoigner, si tu veux dire, cher, toi, tu peux qu'un casse. Cher, toi, tu peux qu'un richesse, ma frère et ma soeur, alors Dieu, bismillah, ferme. Il est arrivé, mon frère, frère, il dit avec moi, et à côté qu'il dit Bismillah, il va se casser, casse avec disparaître. Casse l'argent avec disparaître. Fais Bismillah, ferme la porte, quand Shaitan n'est pas capable d'ouvrir la porte qui ferme au nom d'Allah. Hadith toujours dans Sahih al-Bukhari. Parmi mon action, mon frère, ma soeur, fais faire avec l'Allah, quand nous prend, quand nous donne, quand nous mange, quand nous boit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, qui chacun parmi eux mange avec son ami droit. Qui chacun parmi eux boit avec son ami droit. Il y prend quelque chose avec sur la main droite, il donne quelque chose avec sur la main droite, certainement Shaitan, il mange avec la main gauche, il boit avec la main gauche, il donne avec la main gauche, il prend avec la main gauche. Ça dit mon, il a sa l'habitude de prendre, donner avec la main gauche, manger, boire avec la main gauche, reste-toi avec lui. Conseille-lui, ensuite reste-toi avec lui. C'est un ami de Satan, ça. C'est un frère du Satan. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui mange avec sur la main gauche, Shaitan mange avec lui. Celui qui boit avec son ami gauche, Shaitan boit avec lui. Toutes les choses qu'il vous fait avec l'ami gauche, il participe avec lui.
Tout qui chose que vous faites avec la mégosse, les bâtisses pas avec vous, on fait mentir. Faire zikrullah quand on va dormir. Le shaitan est éloigné de nous. Faire zikrullah avant de dormir. Et il y a un zik spécifique. Il y a beaucoup de cas à faire avant de dormir. Il y a un surah pour lire, il y a un ayat Quran pour lire. Il y a un tasbih pour faire, il y a un tahmid pour faire, il y a un tahlil pour faire, il y a un takbir pour faire. Mais n'a pas oublié votre adhkar qui peut éloigner le shaitan de vous ou la case. N'a pas oublié ça, votre adhkar là. Bon, ici, ayatul kursi. Ayatul kursi, il va le faire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est shaitan qui vient dialogue avec Abu Huraira, shaitan qui dit quand on monte l'auto du matelas, lis ayatul kursi. Quand on monte l'auto du matelas, lis ayatul kursi, jusqu'à ce qu'il te termine ayat là. Quand tu as jusqu'à ce termine ayat là, qui fait mal faire? Tu vous as dit ça? Quand vous avez dit ayatul kursi, vous avez dit jusqu'à te terminer? Parce que ça allait là, nous donne l'état. Sommeil, nous ne pas terminer. Nous ne pas terminer. Alors, si tu as un ayat Coran là, jusqu'à te terminer, si tu lis ça, Shaitan, te rappelle-lui ce que Rasulullah t'a enseigné à Abu Huraira, si tu arrives à lire ça, il dit, il y a un gardien et puis Allah qui peut continuer, reste avec toi. Et aucun Shaitan ne va pas pousser toi. Allahu Akbar. Si je fais Bismillah, je fais mon akaz. Je fais Bismillah, je mange mon bois. Je fais Bismillah, je monte le modili. Et je dis, ayatul kursi, Alhamdulillah, c'est un akaz qui protège contre Shaitan. Et aucun Shaitan n'a pas pousser toi jusqu'à 2h le matin. Jusqu'à 2h le matin. Quand Abu Huraira fait une vie contre Rasulullah, et fait une ça, il dit qu'il fait une cause vraie, mais il y a une grande mentir, pas qu'on lui compte. Mais c'est moi qui l'ai dit à toi, il tout ce qu'il fait. Parmi ma tête, ma frère et ma soeur, il nous a lire. Quand nous allons dormir surtout, pour Shaitan, éloigné de nous, il est dans la case, et il n'a pas fait nous gagner paix pendant la nuit, c'est qu'on a rapporté par Abdullah ibn Amr, il dit à Rasulullah, tu peux enseigner nous, pour lire certaines paroles contre la prière, quand une personne qui a dormi, Bismillah. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وإقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروني أنهم دعوا من في مصير أو نور الله وبسياس بوتيكشون avec bonne parole profite d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ce colère, ce punition, les mauvais des sommes esclaves, contre bonne suggestion des chétans et qui va la vie présente à moi dans la case pendant que je dormi. Dormi, mon frère et ma soeur, si arrivé nous finir un pire, si arrivé une récif à nous gagner pire dans le sommeil et nous sommeil fin cassé avec la frayeur, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance nous pour dire ça, voilà, a'udhu bi kalimatillahi tammati. من غضبه وإقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون لبوزياء أكن جتول يبقوا كبار في أكبر غسيت سورة البقرة دانو لكاز قومي من فاسون في الشيطان إلواني دنو دنو لكاز نفا أبليه لسا قوازو تيمين سورة البقرة سي كي بانونا من قوسيلي بس سي سنجمون يجد أنزو لكا باقون قاكي لفنية أكو سا ديولو توازو تيمين لسا قوازو n'a pas quitté sur la Bakara. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, pas faire toute la case, ressembler à Kabbalistan. C'est-à-dire une place copie dans la lecture du Coran. Faire lui, vient une place copie dans la lecture du Coran. Il y a certainement Shaitan soufi depuis une la case. Qu'il y a sur la Bakara. Aqul qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il mu'minina min kulli dhanb, astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. زودي سو فين جاني من سي بقرة لولو تواكليا. بابا ليك زودي ساكوزيا. لي بابا ليك بس القرآن بكارين لولو بوليا. ميسي أريبي أو بابا ليا سورة بقرة. باكي آية الكرسي. باكي لو دو 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 داني بس سوري. باكي لو دو داني بس سورة سورة البقرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي 2000 avant qu'Allah crée les ciels et la terre, Allah t'a écrit Al-Kitab, l'Ouh al-Mahfouz. Et depuis ce Kitab-là, Allah fait faire descendre 10 ayats. Qu'il fait terminer une sourate Baqara par ces 10 ayats-là. Amen à Rasoul, oui, ma unzila ilayhi, 45 et 46. Les 55 et les 56. Il y a ces 10 ayats-là, pas être lus, pas être récités dans un lakaz pendant 3 nuits consécutives. Ainsi tous les zooms, on y allait. Trois jours, après on va te bronzer, on va te pause. Non, continue à y aller. Si on récite pendant trois jours consécutifs, les dire, mon frère et ma soeur, Shaitan n'a pas accroché à la casa. Shaitan n'a pas accroché à la casa. Sur la Bakara, c'est même qu'il est obéi dire, lire sur la Bakara dans la case.
C'est un surah qui est rempli avec un trésor. Il y a l'ayatul kursi là-dedans. Il y a les deux derniers versets dans sa ayat là, dans sa surah là. Quand lire, non, il n'a pas fait moi du tout, comme on a mentionné dans les autres textes, pas très marcel. On va dire, c'est lui qui lit les deux derniers. Les deux ayats du dernier parti de surah Baqara, dans un but, ça suffit pour lire contre tous les mal. Ça suffit pour lire contre tous les mal. Parmi ma action, ma prévention, pour éloigner le chéton de nous, n'a pas à l'assise dans la place qu'il est content assisé. N'a pas à l'assise dans ma place qu'il est content assisé. Un ou parmi ma place qu'il est content assisé. Quand il met ce trône et n'a pas comment nous dire, c'est entre soleil et l'ombrage. Alors je prends compte. Prends compte pour chéton éloigné de moi, pas assise dans sa bonne place. Alors, soit vous assise totalement dans l'ombrage, soit totalement dans le soleil. Mais un goutte dans nos bras, un goutte dans le soleil, qu'il soit à la cage chez moi, qu'il soit dans la masjid, qu'il soit dans l'école, enseigne ou mes enfants, qu'il soit dans l'école, qu'il soit dans la place, peu importe que ça, on a les bâtiments, jamais vous faites une façon qui est une partie ou l'écho. Dans nos bras, une partie dans le soleil, mon frère, et mon soeur, qui fait? C'est Shaitan qui assis dans sa bonne place là. C'est Shaitan qui assis dans sa bonne place là, comme le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dire, les fins empêchent assises entre soleil et l'ombrage, et les fins dire que ça c'est place que le chéton assisé. Ça c'est place que le chéton assisé. Ferme-nous la bouche quand nous baillez. Ferme-nous la bouche quand nous baillez. Et pèse-nous la bouche tant que capable. Couvre-nous la bouche, va entrer et va dire, chéton, il profite de cette occasion-là. S'il y a envie, pas de stress dans la case, pas de stress dans la peau, envie rentre dans l'écho. Il y a envie rentre dans l'écho. Il veille un moment qui vous baille. S'il trouve ou un dimoun qui fait dhikr Allah, vous ferme la porte. Claire? Ou fait ou lire surah Baqara, ou lire ayatul kursi, ou lire tout ce qu'ils ont lire, ils profitent de ça à l'occasion là. La moindre négligence, il n'a pas oublié sa promesse. Thumma la atiyannahum min bayna idihim, wa min khalfihim, wa shama'ilihim, wa aymanihim, wa shama'ilihim. Ils vous viennent dans toutes directions, ma frère et ma sœur, ils vous veillent la moindre occasion. Alors, un parmi, va errer qui beaucoup de monde faire. Je baille la bouche ouverte comment? Arigato. Même petit. Grand ouvert. Et l'eau-là, si il y a un son, quand il va y aller, Shaitan, il sera content. Il profite à l'occasion pour rentrer dans l'écho. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Palis, il dit, quand quelqu'un parmi eux baille, qu'il attrape sur la bouche, avec son ami, pise pour la bouche. Quand certainement Shaitan, il rentre dans l'écho, insan, à travers sur la bouche, quand il va y aller. Et s'il tient son, ensemble avec ça, Shaitan rit dans son figure. Shaitan, il rit dans ce figure. Parmi ma action, ma prévention, pour éloigner Shaitan de nous. Parce qu'il fait une promesse. Il peut attaquer dans toute façon, dans toute direction. C'est n'a pas qu'il te frappe dans le sauf. N'a pas qu'il te frappe dans le sauf, ma prévention. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, pas les frappes entre eux pour Shaitan. N'a pas les frappes entre eux dans le sauf pour Shaitan. C'est lui qui zoigne un sauf. Allah zoigne, c'est lui qui coupe un sauf. Allah coupe toi. Il paraît d'être ce simple, il n'a pas. Elle n'a pas compté même pour poster avec nos frères en soif. Elle n'a pas que nous gagnons agacé, nous gagnons délicat, nous gagnons à la même colline. À la même colline. Dites comment Shaitan attaque. Il n'a pas oublié son promesse qu'il vient faire. Et il m'a fait, il m'a fait, parmi ma action, c'est donne à Adam. Vous soyez là, alhamdulillah, donnez. Donne à Adam, il n'a pas dans la case. Donne à Adam, il n'a pas dans le travail. Donne à Adam, le dimoun qui est malade. Shaitan n'a pas capable de donner à Adam. Un parmi ma vicre. Il s'est même passé notre cause là dans le verre des anglais à l'écoute de l'imantrie. Mais le sunnah qui vise à appliquer pendant qu'il peut donner à l'adhan. Combien nous l'églisons? C'est un point de vie qui descend qui fait Shaitan sauver. Quand on a l'adhan, le sallallahu alayhi wa sallam dit, quand on a l'adhan pour cela, Shaitan vient les dos y aller. Comment nous dire dans notre rôle de suite? Il vient les dos, il arrive à l'imantrie et l'imantrie en laissant l'air sortir des lits. C'est-à-dire, comment nous dire dans notre langage, il tient l'air pour ne pas donner à l'adhan. Il tient le son pour ne pas donner à l'adhan. Rien, c'est parce qu'il n'a pas capable de tenir Azan. Parce que Azan, c'est l'islam. Azan, c'est l'islam. Allez étudier Azan. Ça va une phrase qui est là. Azan, c'est l'islam. Akida, fait Azan, c'est l'islam. Le deux témoignages dans Azan, il résume l'islam, mon frère et ma soeur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme a rapporté par Oussel, il dit quelqu'un qui fait mention du loup-garou contre Omar. Loup-garou contre Omar. Alors, ce qu'on va finir, Pina Nangi qui transforme de sa constitution physique, qui lui fait être créé là, mais parmi Banla et la Ban Sosie, parmi les autres Ban Sosie, quand je trouve une petite chose horrible, donne à Adam. Donne à Adam. Si vous connaissez ça, dit mon associé, donne à Adam. Il n'a pas capable de résister, Ban Frère, Ban Sosie. Alors, Adam, c'est une parmi une façon, nous fait Shaitan éloigner de nous, Ban Frère, Ban Sosie. Parmi Ban Action, qui fait Shaitan rester loin de nous,
n'a pas qu'à se diamant. Quand il n'y a pas qu'à se diamant, pas un diamant qui va me l'appeler diamant, il ne veut pas qu'à se diamant. Reste en groupe tous les temps. Reste en groupe, n'a pas reste tout seul dans la case. Il est défendu pour rester tout seul, il reste tout seul dans la case. Il est défendu pour un dormir tout seul dans la case. Il est défendu qu'on va sur la sécurité, tu connais qui est là pendant la nuit, jamais tu pour voyager tout seul. Tout le temps voyage en groupe. Voyage, reste en groupe après ma soeur. Et un parmi votre action, fais cela en groupe. Faire cela en congrégation, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui voulait l'aisance des jannat. Qu'il y a tasqui avec Jamal, quand c'est tellement shaitan, et avec celui qui seul, il y a un petit peu plus loin avec des djimoun. Il y a un petit peu plus loin avec des djimoun. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, trois personnes qui peuvent vivre dans un village ou bien dans un désir et qui ne veulent pas faire cela en Jamal, excepté que shaitan gagne le dessus aux yeux. Casse diamant, comme des diamants dans ce globalité. Dans ce globalité, ma frère et ma soeur, surtout soit là en diamant. Surtout soit là en diamant, alors le chéton qui est élevé sur le jeu, fait soit là en diamant. Quand le loup, il simplement dévoue au mouton qui est loin de ce troupeau. Et rapporté par Abou Fahra al-Malizia dans le voyage, quand un dimoun qui arrive en place ensemble avec le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ben là, il peut disperser dans le chemin en bas de montagne. Ça n'a pas un petit clic à là-bas, ça n'a pas un petit clic à là-bas. Sahaba. Ça n'a pas fait un petit clic là-bas. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il disait ça, pas faire ça, ça c'est depuis Shaitan. Reste ensemble. Qu'est-ce qui nous tourne? Et dans Jumma aussi pareil. Et dans les sons aussi pareil. Comment les rapporter, les Sahaba, quand tu persistes devant Rasulullah, c'est un drap aux yeux, un drap les couvert aux yeux. Quand tu es costé, tu peux costé, mon frère. Quelle qualité? Costé, tu peux costé. Alors, mon frère, Rasulullah dit, le voyageur qui peut voyager tout seul, dit un Shaitan. Pas voyager tout seul, pas capable. Et deux voyageurs qui peuvent voyager ensemble, c'est des shaitan. Trois voyageurs qui peuvent voyager ensemble, c'est un caravane, c'est un diamant. Donc, tant qu'apart, voyage en groupe comme Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, financièrement, financière. Ça, c'est quelques moyens. Comment nous faire ces faux pour shaitan, reste loin de nous la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il découle la compréhension de ce qui nous est le cœur. Wa sallallahu alayhi wa sallam, 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 wa